marche une arme domino, là on va essayer de vous faire rêver, de vous faire voir c'est quoi l'écosystème arme domino. C'est pas arme domino seulement la carte, parce que actuellement la majorité connaissent que la petite carte de arme domino Uno. Ce qu'on va essayer par cette conférence, c'est vous faire rêver, vous faire voir des projets de réalisation concrètes qui ont eu comme base l'arme domino. Alors, pour commencer une petite présentation, l'Open Hardware Algérie est un collectif d'ingénieurs et d'étudiants dont le seul but, nous sommes réunis dans le seul but de promouvoir l'open source hardware en Algérie. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Algérie, il y a pas mal d'open source software, la culture est en train de s'enraciner en Algérie. Mais pour l'open source hardware, il y avait un manque. Donc, on a profité de l'occasion. On a créé notre collectif. Actuellement, nous sommes présents sur Facebook, sur YouTube et sur Google+. On aimerait bien prochainement lancer notre plateforme, notre site, où vous pourrez nous contacter. Mais actuellement, on est présents sur Facebook avec notre page et notre groupe. Un groupe assez dynamique, les choses commencent à bouger. Notre page YouTube, notre chaîne YouTube où on diffuse nos vidéos, des tutoriels, présentations de projets, présentations de matériel et présentations aussi d'événements, ouverture d'événements. Sur Google+, c'est un réseau social, donc automatiquement c'est comme Facebook, vous pouvez nous trouver dessus. Avant de commencer, je voudrais éclaircir un petit point. Qu'est-ce que l'open source hardware? Parce que l'open source software, tout le monde le connaît, mais l'open source hardware, c'est quoi? L'open source hardware, c'est tout ce qui est tangible. C'est des produits physiques. C'est pas du virtuel. Ça veut dire, c'est une installation, c'est un module qui, dont les plans sont publics. Le concepteur publie les plans. Tout le monde peut les étudier, les répliquer et les modifier, les améliorer. L'autre caractéristique, c'est que pour l'open source hardware, c'est que le matériel doit être standard, facilement approvisionnable, et la procédure de fabrication doit être standard. Hein. Le contenu, que ce soit hardware ou bien software, doit être libre. Et si possible, designer avec de l'open source. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va commencer par l'Arduino. Le fer de lance du mouvement open source hardware, c'est bien l'Arduino. Nous avons ici une image de l'Arduino Team. C'est eux qui ont créé, c'est le noyau initial qui a créé l'Arduino. Bon, elle a commencé en Italie, à l'Institut de design d'Ivrea, par monsieur Massimo Denzi, à ce niveau, qui était enseignant au niveau de l'Institut. Il avait comme idée de créer un dispositif simple d'utilisation pour un module qui s'appelle l'informatique physique, c'est-à-dire l'informatique en contact avec le monde physique. Avec quelques amis et collègues, ils ont commencé à développer une carte simple d'utilisation. Ils ont aussi pris pour l'environnement de développement le langage programmation, l'interface et le langage programmation processing au début. Processing est développé par le laboratoire média du MIT. Ils ont réussi à créer l'Arduino. Mais ils ont publié leur plan et leur software en open source, mais ils ne croyaient pas que ça aurait un aussi grand succès. Ils l'ont développé, ils l'ont créé, c'est pour les étudiants, donc il y a eu un tel succès, un tel engouement. La carte ADIA, elle a été créée en 2005. L'Arduino, la première Arduino était en 2005. Il y a eu tellement d'engouement qu'actuellement, on ne parle plus d'Arduino, on ne parle de la famille Arduino. Ça, c'est les cartes officielles développées par la team Arduino. Mais d'écosystème Arduino, c'est des cartes Arduino-like. Elles ressemblent à l'Arduino, elles utilisent l'interface d'Arduino, mais elles offrent d'autres possibilités.
que l'Arduino n'est pas fait actuellement pour faire clignoter des LED. L'une des premières applications de l'Arduino actuellement, c'est la domotique Do It Yourself. Faites-le vous-même. Voilà. On a ici un exemple de tableau électrique domestique qui est connecté par Internet via Arduino. Ça, c'est une Arduino Vega avec un shield Ethernet. Ou bien, ça, c'est un boîtier qui permet de contrôler l'ensemble des lumières à l'intérieur d'une maison. Ça, c'est par Bluetooth. Ça, c'est par Bluetooth. La domotique en elle-même, c'est quoi? Le but de la domotique, c'est de minimiser l'action de l'humain sur tout ce qui est électroménager à la maison. L'Arduino s'est engouffré dans le domaine par sa facilité d'interfaçage et de programmation. Mais ça reste toujours dans le domaine du do-it-yourself, c'est-à-dire à faire soi-même. Une autre application possible, c'est par exemple dans le domaine des véhicules, de la voiture. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle Frematix. Elle a été développée par un jeune étudiant en 2013. La fonction du produit qu'elle a développé, c'est de permettre à l'Arduino d'afficher les données de votre véhicule. Elle utilise une connectique OBD2 qui est disponible sur l'ensemble des véhicules modernes. C'est le port où on branche le scanner. On arrive à scanner l'ordinateur de bord. Et elle intègre aussi un gyroscope, un accéléromètre et un capteur GPS HD pour permettre d'afficher des informations sur le véhicule, l'RPM, la température des liquides à l'intérieur du véhicule, les défauts, les pannes. Donc, c'est tout récent, ça, c'est 2013. L'un des autres domaines d'utilisation de l'Arduino, il y a la fabrication numérique. C'est un nouveau concept, la fabrication numérique. Bien que ça peut paraître bizarre, mais l'impression 3D en elle-même, elle existe depuis plus de 30 ans. Mais elle était restreinte à l'industrie de pointe. Il a fallu attendre l'année 2005 avec l'avènement des imprimantes 3D autoréplicantes avec le projet RIPRAP. La majorité de ces imprimantes ont été créées avec des Arduino ou avec un équipement qui s'inspire de l'Arduino. Que ce soit pour les imprimantes do it yourself, à faire soi-même, ou bien pour des imprimantes commerciales. De la fabrication numérique à l'industrie, il n'y a qu'un pas, qui a été franchi par une firme autrichienne qui a développé Controlino. Controlino, c'est le premier automate programmable de qualité industrielle compatible Arduino. Il a une fréquence de 16 MHz comme les Arduino. Il intègre un RTC temps réel, un RTC, et une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Tout ça avec une certification CE, ça veut dire que c'est de la qualité. Un autre domaine où l'Arduino a trouvé sa place, on en parle beaucoup récemment, c'est les Smart Cities. Pourquoi on en parle? L'Arduino a trouvé sa place vu le coût de l'installation. Parce que pour installer des capteurs sur l'ensemble d'une cité ou bien d'une ville, c'est assez onéreux. Donc l'Arduino a trouvé sa place avec le fait qu'elle est peu chère et qu'elle permet de démontrer les possibilités de ce concept de smart city. On a par exemple le projet européen qui s'appelle Smart Santander, c'est au niveau de la ville de Santander en Espagne. Il y a un ensemble, il y a un quadrillage par des capteurs. On peut voir ici les capteurs. Alors on a par exemple des micros pour détecter des bruits bizarres ou bien des coups de feu. Il y a aussi une caméra qui transmet en continu des données
sur différents sites dans la ville avec une compression. Comme vous pouvez le voir, par exemple, pour la caméra, le coût global ne dépasse pas, 130 euros. Donc, c'est déjà pas mal. Même les informations sont collectées par, les premiers dispositifs. Ils doivent être transmis vers une salle de contrôle. La transmission se fait via des plateformes relais. Même les plateformes relais ont été développées à base d'Arduino. Je vais vous poser une petite question. On va essayer d'animer un peu la conférence. Ça vous évoque quoi ? Tsunami. Tsunami. Fukushima. Fukushima. Ada, cette peinture est un détournement de l'une des peintures les plus célèbres de l'ère Edo au Japon. Ça s'appelle La Vague. Voilà. Donc, ça représente l'un des incidents les plus graves du domaine du nucléaire qui a touché le monde. C'est pas que le Japon, c'est le monde. Le 11 mars, c'est à la suite d'un séisme d'une magnitude de plus de 9 et d'un tsunami qui a englouti la centrale de Fukushima. Il y a eu un incident de Fukushima. Dans le chaos qui a régné après l'incident et le manque d'informations, concernant les doses et les endroits qui étaient contaminés, une équipe d'activistes aidée par le Hackerspace de Tokyo ont développé un compteur GGR portable et connecté. Ça, c'est le premier modèle. Ça, c'est le premier modèle, ça, c'est le premier prototype. Ils ont utilisé un compteur GGR analogique relié à une... par exemple, quand je vous ai parlé d'Arduino Lite, ça, c'est pas un Arduino classique. Ça, c'est une Freakduino. Voilà. C'est une carte développée qui ressemble à l'Arduino, qui utilise la technologie de l'Arduino, compatible avec l'environnement de développement Arduino, mais avec d'autres possibilités. Dans ce cas, c'est la transmission sans fil. Et puis, par écrémage, par développement, ils ont réussi à la mettre, à la miniaturiser, à la mettre dans une boîte. Et puis, ils ont ajouté le GPS, ils ont ajouté un afficheur pour que la personne ne se mette pas en danger. Donc, elle peut voir aussi quelle est la dose dans cette région. La réussite de ce projet, c'est d'avoir pu faire plus de 23 millions de mesures sur 400 000 km de route au Japon. Donc, ils ont quadrillé l'ensemble du Japon. On a, la carte est disponible sur Internet via le site Sidecast et vous pouvez voir à tout moment les mesures de la dosimétrie au niveau de tout le Japon. L'équipe ne s'est pas arrêtée à ce point. Leur prochain objectif, leur prochain projet, ça va être le contrôle de la qualité de l'air dans les villes modernes. Ils essaient de développer le même concept, mais avec la qualité de l'air, en contrôlant la qualité de l'air dans les cités modernes. Alors, on va prendre un autre chemin, un peu moins... C'est en temps réel. Non, non, c'est en temps réel. Le Safecast intègre un capteur GPS et une transmission GPRS. Ça veut dire qu'on capte l'information, il y a une trame qui est lancée avec la position de l'individu qui porte le capteur, plus la valeur de l'irradiation. Bien sûr, il y a un temps de latence, c'est le temps de transmission. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser le terme temps réel, parce que le temps réel en électronique, c'est assez... Donc, c'est le temps de transmission seulement. Mais c'est en continu, hein. Jusqu'à maintenant, il y a toujours des mises à jour pour la carte. Parce que l'accident est terminé de Fukushima, mais les retombées sont toujours là, surtout dans le domaine du nucléaire. Donc, c'est toujours là. Donc, c'est en continu. Donc, revenons un peu dans un domaine un peu moins sérieux, si je peux dire, par APM Copter. APM Copter, anciennement appelé Arducopter, c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de construire un drone à voilure tournante, et qui utilise, en plus, qui fournit une carte
mais elle offre aussi un logiciel de pilotage. Là, on n'a plus besoin, de suivre notre drone. On a la carte, on clique avec la souris, il se déplace de telle distance, et il fait le circuit tout seul. Le logiciel de pilotage s'appelle Autopilot. On va revenir un peu, on va garder un peu les pieds sur terre par notre prochain projet. Le projet s'appelle SAT-NGS. SAT-NGS, déjà le début SAT, il y a satellite, permet de mettre en place, des stations au sol de suivi de satellites. C'est open source et c'est en réseau. Le dispositif se compose de composants mécaniques imprimés avec une imprimante 3D, de quelques tubes PVC, d'antennes directionnelles. Le tout est commandé par une Arduino Nano. Bon, elle s'appelle Nano, donc elle est trop petite. Le tout est commandé par une Arduino Nano. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que les informations captées, le signal est transmis à l'utilisateur via le réseau. Donc, il peut suivre... le fonctionnement, les signaux émis par des satellites LEO. C'est un type de satellite qui s'appelle pour les low Earth Orbit, ça veut dire les satellites de... voilà. Puisqu'on est dans les... Oui ? Basse altitude, voilà. À orbite basse, voilà. À orbite basse. Puisqu'on est dans les satellites, je vais conclure par un autre projet, c'est Ardusat. Ardusat est un projet qui a été développé à l'ANE, International University of Space, à Strasbourg, par 4 étudiants. Ils ont eu l'idée de créer un satellite compatible avec la norme CubeSat. CubeSat est une norme qui a été développée par l'Université Polytechnique de Californie et l'Université de Stanford, et d'intégrer Arduino à l'intérieur. Ça se compose, il y a deux modèles ici, il y a ArduSat et ArduX. Ils ont développé deux modèles. Ça intègre des capteurs, des spectromètres, des compteurs GGR. Le tout est traité par des Arduino et transmis via la bande UHF. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a réussi, le collectif a réussi à mettre en orbite 3 satellites avec l'aide de la NASA et de l'agence spatiale japonaise. Là, on a le lancement, et là, c'est ils les ont lancés depuis l'ISS. Donc, ils les ont mis en orbite depuis l'ISS. Voilà. Pour terminer, et en restant dans la même thématique de l'espace, je terminerai par une citation d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc, allons-y aux étoiles.